Est-ce que vous comptez continuer comme ça toute votre vie à subir, à rien faire, à juste faire ce qu'on vous dit? Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. C'est ce fameux blues qui arrive à la plupart des gens le dimanche soir. Vous savez, vous commencez le week-end le vendredi soir, vous êtes tout content, vous vous dites c'est génial, je quitte enfin ce boulot qui me saoule tant. Je vais pouvoir me lever à pas d'heure, je vais pouvoir faire la foire le samedi soir et le dimanche soir arrive et là c'est désespoir. C'est la fameuse période de blues que la majorité des gens connaissent dans leur existence. De la même façon, bah, ça le fait aussi lorsque vous êtes en vacances. Vous attendez que ça, les vacances. En plus, au moment où je vous tourne cette vidéo, on va être les vacances. Et je vois énormément de monde qui ne pense qu'à ça. Oh, vite, les vacances, comme ça, je vais pouvoir faire autre chose, je vais pouvoir oublier un peu ce boulot. Mais le problème avec ce modèle-là, c'est que vous allez recommencer, vous allez à nouveau retomber dedans dès que vos vacances seront terminées. Et la même chose pour le week-end, à chaque fois que c'est terminé, rebelote, vous recommencez. Honnêtement, est-ce que vous n'avez pas marre de subir comme ça? Est-ce que vous n'avez pas marre d'être censuré? Parce que oui, en fait, vous êtes censuré aujourd'hui. On vous empêche de vivre tel que vous voulez. Puisque aujourd'hui, peut-être que vous êtes salarié. Et si vous êtes salarié, ben, vous devez vous rendre un boulot à l'heure où on vous le dit, au jour où on vous le dit. Vous devez faire ce qu'on vous dit. En gros, vous êtes totalement censuré. Vous ne pouvez pas vous exprimer librement. Et quand je parle d'exprimer librement, ça veut dire peut-être, eh bien, exercer quelque chose qui vous ferait plaisir, exercer un métier qui vous passionnerait. Et moi aujourd'hui, eh bien, je suis à preuve qu'il est possible. Il est possible d'abattre, d'abolir ce fameux modèle qu'on nous inculque. C'est-à-dire deux choix. Le premier ou le deuxième. Le premier, c'est en gros, tu vas faire des études, tu vas trouver un boulot, si tu n'as pas le bac, etc., etc., peu importe, tu trouves n'importe quel boulot, tu la fermes et tu subis toute ta vie parce que la vie, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et la deuxième solution, c'est quoi? Eh bien, la deuxième solution, c'est ok, tu veux pas faire partie de la première solution, bah là, hop, tu vas switcher dans la case numéro 2. Et la case numéro 2, en gros, tu vas te retrouver sans argent, sans emploi, sans maison, sans rien du tout et tu vas te retrouver dans la rue. Eh bien, laissez-moi vous dire que tout ça est totalement faux. On vous ment depuis le début. On vous ment depuis la nuit des temps. J'en ai marre de voir tous ces gens qui sont là en train de subir alors qu'ils n'ont qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule chance. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez impacter le monde? Est-ce que vous comptez continuer comme ça toute votre vie à subir, à rien faire, à juste faire ce qu'on vous dit? Est-ce que vous ne voudriez pas faire justement ce que vous, vous voudriez faire? C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, peut-être, eh bien, faire quelque chose qui vous passionnerait. Et aujourd'hui, eh bien, sachez que grâce à Internet, c'est possible. J'en suis la preuve. Et moi, il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais encore un agent de sécurité. Mais au fond de moi, j'avais toujours, en fait, cette petite flamme bah, qui brillait, cette petite étincelle qui tac, 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 qui brillait comme ça, qui était en fait synonyme de la liberté, Anto. La liberté, gagne ta liberté, arrête de subir comme ça, arrête de subir comme 99% de la population, enfuis-toi de ce modèle. Arrête ce modèle. J'ai fait des recherches et je peux vous dire que j'ai découvert beaucoup de choses. Et je vous dis aujourd'hui, Internet vous permet énormément de choses. Avec Internet, vous pouvez décider de transformer totalement votre vie. Je vous dis, j'en suis la preuve puisque aujourd'hui, j'ai mon propre business en ligne. Et d'ailleurs, si vous, vous êtes intéressé par tout ce qui est business en ligne, tout ce qui est liberté, tout ce qui est changer un peu sa vie, changer de job, faire ce que vous voulez, eh bien, regardez sous la vidéo. Vous avez un cadeau que je vous offre. C'est un guide totalement offert. Ok? Vous regardez ça. Et puis, ben, si le cœur vous en dit, vous le téléchargez. Pour reprendre ce que je disais, il n'est pas trop tard maintenant. Peu importe l'âge que vous avez, il n'est pas trop tard pour changer. Évidemment, vous n'allez pas paf switcher du jour au lendemain, puisque je vous parle de cette troisième solution. En fait, que tout ce qui est les grandes entités, le gouvernement, etc., tout le monde veut vous cacher, c'est ça. C'est cette troisième solution qui est de devenir libre, de vivre tel que vous le voulez, tel que vous l'entendez. Ok? Et je vous dis, vous n'allez pas le faire du jour au lendemain, mais rien ne vous empêche de commencer à démarrer. Comme je vous parlais bah là du guide que je vous offre, eh bien, dedans, par exemple, vous allez trouver des choses que j'ai pu mettre en place et qui aujourd'hui me permettent d'avoir un tout autre style de vie. Ok? Eh bien, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous allez mettre ça progressivement en place. Donc,
pour vous conseiller bah, par où commencer si vous dites « Ok, ouais, c'est vrai, il a raison, il y en a marre de subir, on va arrêter un petit peu de subir la vie comme ça parce qu'on nous fait croire que voilà, que c'est comme si, c'est comme ça, patati patata, et c'est pas autrement, eh bien, il a raison, moi aussi, je veux mettre le pied à l'étrier et je veux changer ma vie. » Eh bien, commencez par faire un bilan global de votre vie. Et à la suite de ça, écrivez par exemple noir sur blanc qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Vous savez, en France, il y a un gros problème, c'est que dès qu'on parle d'argent, c'est waouh, attention, l'argent c'est mal, etc., etc. Mais en réalité, tout le monde veut de l'argent parce que vous le vouliez ou non, l'argent c'est ce qui régit le monde. C'est synonyme en fait de l'énergie, c'est ce qui permet de créer autre chose, d'accord? C'est pas une finalité, ça va être un moyen. L'argent est un moyen. Donc si vous, par exemple, je sais pas moi, admettons, eh bien vous êtes passionné de sport, que vous aimeriez faire quelque chose dans le sport, eh bien je sais pas, vous pouvez très bien le faire et ça grâce à Internet. Mais marquez-le noir sur blanc, vous le marquez noir sur blanc et ensuite, mais vous voyez comment vous pouvez faire ça. Vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire? Le faire progressivement en parallèle de votre travail. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais agent de sécurité et en parallèle, eh bien, je démarrais mon business sur Internet. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, il y a toujours une solution. Internet est énorme. Internet est vraiment génial et vous pouvez gagner vraiment le style de vie que vous souhaitez. Et en gagnant le style de vie que vous souhaitez, eh bien, vous allez être beaucoup mieux dans votre vie. Vous êtes beaucoup plus épanoui. Et c'est très, très important. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de voir ça. Il y en a marre d'entendre ça partout, de voir le négatif partout quand vous connectez sur Internet, vous allez sur Facebook avec des actualités mauvaises, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça fait vendre. Les médias se font de l'argent comme ça en vous vendant des informations négatives, des informations à sensation. Et tout ça, c'est eh bien accepté par le gouvernement parce que le gouvernement, ça l'arrange. Le gouvernement veut avoir la main sur vous parce que n'ayant la main sur vous grâce à l'argent, grâce à la façon dont ils décident de comment ça se passe, eh bien, ils vous contrôlent, ils font de vous ce qu'ils veulent. Et il faut arrêter ça, il faut s'en sortir. Et vous pouvez le faire. Si vous avez envie, vous pouvez le faire. Donc, voilà un petit peu cette vidéo. Je l'ai fait vraiment parce que, voilà, ça, je suis un petit peu énervé, honnêtement. Ça me gave de voir tout ça sur Internet. C'est ces gens qui n'arrêtent pas de se plaindre toute la journée. Mais sortez-vous les doigts du cul et faites quelque chose. Et voilà, et éclatez-vous, kiffez votre vie et arrêtez de subir comme ça. D'accord? Je peux pas vous dire mieux. Maintenant, je peux pas décider non plus à votre place si vous n'avez pas envie de le faire, si vous n'avez pas le cran de le faire, si vous n'avez pas le cran de changer les choses dans votre vie. Eh bien, continuez comme ça toute votre vie, mais je peux vous garantir que vous n'en aurez rien à y gagner. Ok? Voilà, je vous dis cette petite vidéo, c'est vraiment pour vous donner le déclic, pour vous pousser à passer à l'action. Il est encore temps, le temps, eh bien, n'est pas une ressource illimitée. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure qui passe, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rattraper. Donc, foncez, allez-y tout de suite. Terminez cette vidéo et commencez à marquer noir sur blanc. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux impacter? Je veux impacter le monde? Je veux faire quoi? Etc., etc. À vous de jouer et je vous laisse ici pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un gros pouce bleu et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.